Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode Adjudicate Challenge. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas joué, alors je m'en souviens plus de ce qui se passe. Ils sont tous levés, qu'est-ce que vous faites? Bah toi t'as fini. Non mais non, bah non. Il est 6h du matin, et ben non, tu vas aussi te coucher, tout ça. Tout le monde retourne se coucher. Non, toi non plus, tu vas y retourner te coucher. Et petit bichon, il va retourner se coucher aussi. Voilà, comme ça, on est bien. Toi, t'as décidé de m'emmerder, toi, dès le début de l'épisode, hein. Alors, je tiens à m'excuser directement parce que j'ai une espèce de rhume. Vive la climatisation dans les trains. Donc, déjà que ce micro me fait parler du nez, je trouve. Bah, là, ça va être triste d'être encore pire. Donc, je m'excuse d'avance parce que ce sera pas très jojo à entendre. Deux choses. Pouf, je mets sur pause. J'ai quelqu'un qui m'a finalement demandé de séparer les pièces. Et il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous avais posé la question si ça vous dérangeait. Et vous étiez beaucoup à dire, ben non, ça va, c'est pas dérangeant. Mais moi, je reste quand même sur l'idée que on avait des pièces séparées. Le problème, c'est qu'en plus, mon escalier n'est pas centré par rapport à l'entrée. Parce que ça, je peux continuer, c'est pas un souci, mais il faudrait que je ferme entièrement la porte. Bon, déjà, on va faire une chose. On va mettre. Hop! Tout va bien. Je vais, de ce pas, retourner, pivoter ça comme ça, un peu moins. Ça, c'est l'astuce, hein. Et non, je vais faire ça comme ça. Je vais enlever la grille parce que je la trouve tellement affreuse. Et voilà. Là, on clôture. Vous voyez, normalement, je suis obligée de faire comme ça. Hein. Le problème, c'est est-ce que je continue comme ça? J'ai envie de dire que ce serait logique. Ça, on va le mettre ici. Ce sera un peu l'espace boudoir, j'ai envie de dire. Les casseroles, tout ça. Où veut-on les mettre? On peut pas les mettre n'importe où, hein. À côté de la poubelle. Le truc tellement logique et tellement clean, tellement. Comment ça s'appelle, on dit ça? Je sais plus, moi je perds la boule. Voilà! Bon, ça fait un peu à ras la fenêtre, mais bon. On va mettre une petite portounette. À quel niveau? Là? Là? Est-ce qu'on est bien? Non, ça rentre dans le salon. Je vais reculer tout ça. Ok. Bon, et comme ça va devenir un peu plus, encore plus réaliste que ça ne l'était. Forcément, on a un souci. Le tapis, je vais le mettre là. Ici, je change. Voilà. Et on va pouvoir carreler. Mon Dieu. Oh my god. En fait, ils sont trop mignons. Est-ce qu'on n'a pas un carrelage un peu... Ça change strictement rien. Juste du carrelage en fait. Non, le carrelage que j'aime bien, c'est le carrelage de la jungle. Qui n'est pas là. Il n'est pas considéré comme du carrelage. Ouais. Celui-là.
Ouais, très très bien. Et on va pouvoir faire effectivement le joli petit carrelage à l'entrée. Alors bah, malheureusement, on n'a pas un carrelage aussi beau qu'on l'a en vrai dans notre vie. Je vais devoir tricher un peu. C'est pas joli ça. En noir. Pas très fan. Ah. Est-ce que celui-là complicado, hein, tout ça? Faire des tomates, ça serait parfait dans la cuisine, hein. Putain, mais il va trop vite ce jeu. Ouf, j'aime pas du tout. Non, c'est pas ce que je vais faire. Non, madame, excusez-moi. C'est plus des pierres comme ça. Je suis en train de me dire, y a pas de fenêtre du coup dans l'entrée. Ah, ça craint ça. Bon, on peut faire comme ça. On voit aucune différence. Non, mais écoutez, je vois bien celui-là, parce qu'il s'associe bien avec le tapis. Pour ce qui est du papier peint, déjà toi, tu vas le mettre partout. Hein, on est d'accord, maintenant il y en a partout. Ça, c'est bien. Ah oui, il y a ce papier peint-là! Qui est tout nouveau, hein, qui est. J'avoue, j'ai pas du tout regardé moi la mise à jour. Bon, je pense pas que ce soit dans l'air du temps de mon jeu, donc je vais peut-être pas le mettre. Vu que c'est rouge. Rouge, bleu, vert. Magnifique. Non, 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 franchement, c'est pas. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est très très laid. Là 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 là. Je préfère encore mettre un truc clair comme ça, mais c'est pas joli, hein. Par contre, ça me dérange, je vois pas avec la lumière. Il n'y a pas de lumière, donc ça me. Là, on va mettre un petit truc. Ah, quoique non, maintenant. Bah oui. Mais on va pas mettre ça, on va mettre un fauteuil. Voilà, genre ça. Voilà. Le truc qui est trop bizarre, qui est posé comme ça dans un coin. C'est logique, voyons, c'est logique. Ah non, non, ça colle pas du tout entre le. Non. Non, 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 ça colle pas du tout. Faudrait que je prenne un papier peint qui a rien à voir. Donc ça, là, avec ses fleurs. Oh là 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 là, c'est laid. Ouais, ou ça? Oh, c'est moche, mais c'est ce qui colle le plus. Ouais, je suis pas très fan du rouge, mais. Effectivement, c'est ce qui colle le mieux, hein. Bon, on va pas toucher. On va rien mettre là et je vais mettre une petite plante. Histoire de. Ou alors peut-être que le fauteuil. On le met genre là. Bah, ça a pas de sens! On va mettre un guéridon. Est-ce qu'on a encore un guéridon de. Non. Ah oui, on peut mettre le bouquet de mariée. On va le laisser en blanc. Il était marqué quoi?
Non, il était pas marqué socialement quelque chose. Oh, comme ça. Et il nous faudrait un guéridon. On va remettre celui-là. Pour combler dans le trou. Décoller un peu pour gagner de la place. Mettre une petite. Ouais. Voilà, ça y est, ça commence à me venir en tête. Voilà, on met la petite lampe là. Ça ramène un peu de chaleur. Même si, bon, voilà, c'est pas très très jojo. Et une plante. Donc on était sur les plantes déjà depuis tout à l'heure. J'aurais passé 10 minutes à faire ça. Mais ouais, c'est super ça. Voilà. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? On est normalement dans la séparation de pièces. Voilà, là ça fait plus cuisine, hein. On est vraiment dedans. Tac, voilà. Cuisine, tout ça. Voilà, les murs sont bons. Cuisine. On passera. Attendez, on va rentrer comme n'importe qui rentre chez nous. Waouh! Oh, le beau ciel! Non, ouais, ça le fait avec effectivement les vieux carreaux comme ça. Bon, il n'y a pas les vieux carreaux comme nous, on peut avoir. Par contre, il y a des petits éclats. C'est énorme, je savais pas qu'ils avaient fait attention. C'est pour ça que je l'ai jamais mis ce carreau. Le petit coin un peu chaleureux avec le tableau, le fauteuil. Voilà. Et après, on rentre. On est dans le salon qu'on connaît déjà. Voilà, donc ça c'était pour commencer et pour séparer les. Qu'est-ce que je fabrique? Pour séparer les pièces. Ça fait un peu plus réaliste. Maintenant, nous pouvons passer à la vie de nos Sims adorés. Youhou! Toi, t'as décidé de pas être couché. Ben si, ma cocotte. Si. Allez, zouf, au dodo. Et que ça saute. Bon, les cours vont commencer. Je vais peut-être. Voilà. Toi, tu vas aller manger. Et puis bah du coup, toi, tu vas te manger aussi. Voilà, elle peut pas. Allez, va aux toilettes et va manger. Compliqué la vie avec vous, hein. Bon, aujourd'hui, on est mercredi. Aujourd'hui, Arthur, il va se marier. Ben oui, on est obligé de passer à l'étape suivante parce que lui aussi va partir à la guerre. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah oui, tiens, le jour de loterie. Comment on fait? L'intermédiaire d'un ordinateur ou téléphone. Bon, et ben, nous ne donc jouerons pas à la loterie. Eh oui, comment va petite Mireille? Mireille de Saint-Paul. Gustave. Voilà. Elle va manger. Écoutez, c'est parfait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, bah elle part en cours sans manger. En tout cas, elle a mis sa tenue. Sa tenue de peu plus moderne. Il faudra vraiment que je remette le piano. Ce serait plutôt pas trop mal. Enfin, non, parce que de toute façon, ils vont se marier. Donc, ça sert à rien. Voilà, ça te fera pas de mal de t'occuper un peu de ton petit. Et puis il faudra le laver aussi après. Je me souviens plus. Est-ce qu'il sait aller au pot tout seul comme un grand ou pas encore? Oui, ça c'est cool. J'ai cru voir le linge dehors qui est toujours en train de goûter. Très bien. Ouais, va falloir aussi s'occuper de tout ce qui est jardin. Mais je pense que c'est Gustave que j'enverrai pour ça. Gustave a rencontré Major. 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 Bah, c'est parfait tout ça. Qu'est-ce que tu lui as dit à ta fille pour que ça lui plaise pas? C'est bizarre quand même, hein? Il suffit pas de dire grand-chose, hein? Bah là, c'est calme, Mireille. Elle fait pas trop chier, le monde. C'est sympathique. Bon, alors, mon petit Arthur, on va faire quelque chose. C'est que tu vas appeler ta femme, ta future femme. Tu l'invites à venir. Voilà.
Tu vas aussi appeler. Qui est Julie? Ah, ça doit être sa sœur, je sais plus. Julien. Julie, Julien. Oui. Germaine, Amandine, Lisa, Maria, Martine. Je ne sais plus. Je ne sais plus trop. Ah, elle est là. Oh, tu l'appelles. Ah, je t'ai entendu parler de tes fiançailles. Ben, c'est sympa. Mon petit. Comment il s'appelle? Albert. Oh là 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 là. Ils se tournent à tour là, ils savent plus. Ça y est, ils retournent dehors. Alors, Germaine a rencontré Constance. Ben, c'est très très bien. Voilà. Là, tu vas partager le fardeau émotionnel. D'accord. Il y a Mireille qui demande à être changée. Donc, maman, tu vas y aller. Voilà. Ce sera déjà ça. Ouh, pas trop de cris, s'il te plaît, ça m'énerve. Mais arrête de nous harceler. T'es chiant. Flatté. Je crois que je l'ai tué. C'est pas grave, prétend avoir un amour éternel et tout ça. Et puis après, dès que les autres Germaine, tout ça, ils rentrent, on va procéder au mariage. Toujours ici, puisque nous avons tout ce qu'il faut. Et le petit Lulu. Oh, Lulu! Oh, qu'il est tout beau! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es choquée? Il se passe quoi? Oh, il y a un mur! Oh mon Dieu, il y a un mur! Il n'y avait pas de mur avant, je comprends pas. Calmer les émotions. Waouh! Waouh! Mais c'est ouf! Ah oui, parce qu'il a le contrôle des émotions. Ouais, il a pas mal de trucs, hein. Finesse, en fait, je savais même pas que ça avait des interactions comme ça. C'est fou. Voilà, il a aidé le petit, tranquille, quoi. Tout va bien. Lui, il vient aussi maintenant. Complimenter. Illuminer la journée. Bon, c'est très bien. Je vais zapper. En fait, Julie, c'est sa mère. C'est pas sa sœur. Bon, par contre, Jojo, si tu pouvais t'habiller à un moment donné, parce que ça se fait pas de. Voilà, quoi. Hein? Tu reçois des gens, il y a des gens qui viennent chez toi, tu t'habilles, tu restes en pyjama. Même si je sais, c'est tentant de rester en pyjama toute la journée, c'est quand même pas très très. Jojo, quoi. Hein? Jojo, c'est pas Jojo. Bon, 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 ils sont rentrés de l'école. Oh, alors mon petit Gustave, tu vas te relaxer. Toi, bah, tu fais ce que tu as envie de faire, hein. Et puis on va procéder au mariage. Qu'est-ce qui se passe? Non, bah non, on va pas venir chez toi, Albert. Tu n'es pas censé être disponible, on va dire, hein. Pas du tout même. Allez, go! Je lance les hostilités avec le mariage. C'est là. C'est ça ta tenue de cérémonie? Ah bah, super. Ah bah, est-ce que c'est sa tenue, ça, elle? Attendez. Je me souviens plus, hein, franchement. Habillée, oui. Ouais, ça fait robe de mariée, hein. Donc tout ça peut passer. Vas-y, vas-y, change-toi, cocotte. Ouais, j'avais mis ça. Ouais, bon, bah les deux, ça le fait. Par contre, on a encore elle. Je vais pas changer sa tenue. Mais elle est trop chelou, bah. Elle met sa tenue habillée, mais. Ouais, remarque, oui. Est-ce que je l'ai pas changée? Tu vas mettre. Tu vas mettre ça. C'est une nouvelle tenue. Ah bah en fait c'est quasiment la même que sa sœur, hein, mais bon, on dira rien.
Est-ce que tout le monde est là? Presque, voilà. Qui êtes-vous? Julie Morin. Morin, oui. Alors, tu sais, là, c'est la belle-mère. Remercie d'être là. Mais on s'en fout du genre de loterie. Allez, moi, je veux le mariage. Mais. Est horrible. Oui. Bah oui, bah on s'en fiche, hein. Du coup, moi, mon événement social. D'accord, donc en fait, j'ai pas d'objectif. Oh, ils sont habillés pareil! C'est bien Samuel et Julien, oui, mais c'est pas des jumeaux. Oh là là! Oh là là! Madame, vous pouvez changer de tenue, s'il vous plaît? Tu vas remercier d'être là, mais tu vas aussi lui demander de se changer. En fait, voilà. Est-ce que bon, est marié, on peut pas en avoir 15, hein? Bon, elle n'est pas très très heureuse aujourd'hui, Marguerite, hein, voyez que. Elle se demande où est son mari, et, sachant qu'elle va bientôt accoucher, c'est triste. C'est très très triste. Ah bah. On a encore une nouvelle PNJ. Pourquoi les PNJ sont toujours habillés beaucoup trop modernes? Surtout que j'ai relooké tout le monde. Donc ça m'agace. Voilà. Et toi, tu es qui? C'est Paul Alan, hein, oui, c'est vrai. Dis donc, Paul Alan, ouais, non, il est déjà jeune adulte, parce qu'il aurait été encore ado, à la limite, j'aurais bien casé. Peut-être s'il est pas trop trop moche. J'aurais casé notre petite Germaine avec, mais voilà, elle s'est changée. Ouf, bah c'est pas mieux. Bon, elle sera pas dans le ton. Si tu vas lui demander de s'habiller en mode normal, parce que là, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Je ne peux pas. Quotidien, vas-y. Oh, mais je crois qu'elle va accoucher. Mais tu attendras, ma cocotte. Après, vous allez venir discuter ici. Elle est en train de se prendre un bain. Ben non, tu vas t'asseoir. Maman, tu vas venir t'asseoir aussi. Gustave, tu vas venir t'asseoir. Toi, tu vas venir t'asseoir. Tout le monde. Quoi? T'as raison d'amitié avec Mireille. Oui, c'est ma fille. Merci, papa. Oh, voilà, tout le monde arrive. C'est cool. Viendez tous. Oh, et le petit bichon. Est-ce que tu peux... Voilà. Germaine, tu pues? Bah ouais, tu pues, mais quelle honte. Alors, ta femme, elle est où, là? Elle s'est barrée, hein, salope. C'est bon. Allez, se marier avec... Attendez. Parce que là, tout le monde se barre et ça me fait chier. T'iras prendre ton bain après. Pareil, Louise, tu reviens. Ah, maintenant, Louise, elle est là. Donc, c'est Jojo qui s'est barré. Arrête avec ta cheminée. Non, 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 vous revenez tous, hein. Commencez pas à faire votre jungle, hein. Ça va pas être possible, hein. Alors, tu viens ici, discuter ici, et tu vas lui faire un bisou. Voilà, embrasser. Dépêchez-vous avant que quelqu'un meure de froid. Mireille a très faim. Bah oui, mais Mireille, elle est pas en bleu, elle est en vert, hein. Putain, Louise. Vas-y, va la nourrir parce que. Elle pleure pas. Non mais c'est une blague, hein. C'est une blague sans nom, tatitatitata. C'est... Oh mon Dieu, l'anniversaire de Joséphine. Mais c'est bon, on laisse tomber. Alors, vous allez venir là, s'il vous plaît. Qu'on va ass on assiste un peu à ce mariage. C'est toujours un peu une catastrophe avec moi, mais... J'ai dit là! Oh là là. Caresser la joue. Bon, allez, ça me gave. De toute façon, on va y arriver parce que. C'est plus possible maintenant. Bon, elle est un peu moins moche que d'habitude, hein. Sa nana, là, sa copine. Regardez. Ça lui va mieux, cette coiffure-là, comme ça et tout, je trouve. Bon, c'est quand vous voulez. Tu
Tu te maries ou t'attends le dégel? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il vient faire le zozo. Il s'est rassis, hein, mais... Tu te maries ou tu te... Oh, j'en ai marre. Allez! Pourquoi mon jeu est toujours en train de planter? Oh, le petit, il est en train de partir faire sa life. Mais c'est une blague, tu vas te marier avec elle ou quoi? Ça y est, bah dis donc. Faut pas être pressé, hein. Regardez les amoureux. Et avec le tramway nommé Désir qui passe derrière. Casse-toi, toi. Oh, ils sont mignons, les zouzous. Oh, c'est beau. Je te promets fidélité, amour, compte, et j'espère que tu t'en sortiras à la guerre aussi, puisque... Voilà, petit passage de bague. L'anneau. Pour les gouverner tous. Ouais! C'est tout? Vous êtes Keblo? Ah non, c'est bon. Je crois que mon jeu a un peu de mal. Et lui, il a pas mis sa, son alliance. Ah mais c'est fini. Bon, et ben voilà, ils sont mariés. Alléluia. Jésus, tralala. Ah, et ben c'est cool. Tu vas prétendre à un amour machin. Tu vas l'embarrasser. Voilà, c'était complètement raté. Hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Au niveau manger, on n'a même pas la pièce montée. Et notre machin, il est cassé. J'en ai marre. Allez, on va remplacer. Clac. Jojo, tu sais pas quoi faire, tu essuies. Ah bah oui, reprendre gâteau blanc. Bah ouais. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Tu peux ranger. Bah alors, tu vas faire ça et tu vas ranger, tu vas faire le gâteau blanc parce que là, ça m'agace. Marguerite, elle va nous accoucher dans la salle de bain. Au secours. Bon, alors le traiteur, je sais pas, il est reparti faire quelque chose là. Bah, t'as perdu ton truc. Tu vois bien? Hein? Faut pas oublier, les enfants, que vous devez faire vos devoirs là. Donc, vous allez le faire, hein, mariage ou pas. Oh là là, Marguerite, elle va nous accoucher dans sa. Dans sa sur la table. Ça va être la venue des bébés, ça y est, oh là 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 là. C'est du. Ah ben regardez, c'est mignon tout plein. On a Germaine qui inaugure notre nouvelle entrée. Bon, elle doit pisser, elle va se pisser dessus. Tu vas pas pisser sur le nouveau fauteuil quand même, non? Ouais, ça rend quand même plutôt bien ce rouge. Ça reste dans le ton avec le carrelage, tout ça, ça va, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, je suis pas trop déçue de ce que j'ai fait, quand même. Là, on a Mireille qui pleure. Viens ici, qu'est-ce que tu fais, toi? Mireille, elle pue. Mais elle pleure, mais elle pleure pas. Bouge-toi ton cul, toi. Appelle-le. Ah non, tu peux pas, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu te pointes, Louise. Loulou. Loulou, Lulu et Mimi. Non mais... Voilà, c'est ça. Elle va pas pouvoir, parce qu'il faut que lui, il est devant, donc ça prend... Casse-toi, petit merdeux de tes couilles! Vas-y, on s'en fout, maintenant tu peux. Allez, tu te présentes pas, t'en as rien à secouer. Mais on s'en fout! Mais, ah non, parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va y aller. Ben non. Ou alors, c'est quelqu'un qui est pas de la famille. Allez, c'est bon, j'en ai marre de galérer avec ces gosses à chaque fois. Allez!
Oh, j'en ai marre. Qui c'est qui vient faire chier sa race là? Oh, je deviens vulgaire parce que j'en ai marre. Qui c'est qui? Qui? Il n'y a personne qui est là, qui veut monter, à moins qu'il vient de... Depuis la lune. Oh sérieux, ça me saoule! Les Sims qui savent pas faire une action parce que quelqu'un a l'intention de le faire, sauf que le Sims, il est à 3 000 km. Bah ouais, bah moi je sais pas qui, en tout cas c'est pas quelqu'un de chez moi, quoi. Non mais ça me gonfle, est-ce que c'est elle? Non, est-ce que si c'est comme ça, ah, pouf, hein? Voilà. Toi, c'est elle. Tu dégages. Voilà. Ouais, parce que voilà, elle voulait déjà. C'était elle! J'adore! Putain! Ah, je vous jure, c'est compliqué. La vie des Sims. Oh, t'es noyée dans les manches de maman, dit Mireille. Ok. Et elles sont toutes collées. Et en mode stalker à fond, là. Toutes collées au violon, quoi. Oh, et toi, t'es contente? Illuminer la journée. Demander quand est-ce qu'elle accouche. C'est bien tout ça. Ouais, non, mais là, elle va accoucher à la fin de l'épisode. Enfin, entre les deux épisodes. C'est obligé! Ok. Est-ce que toi, tu peux faire tes devoirs? Ouais, tu te détends. Mais le mec, il fait jamais le gâteau, en fait? Non, là, je confonds. Reprends le pancake. Ah, tu fais le gâteau. Non, mais voilà, on n'aura jamais le gâteau, quoi. Moi, j'attendais que ça. Bon, c'est pas grave. Toi, tu vas aller pisser, mon petit. Va pisser, Arthur, et après, tu consommes ton mariage, hein, parce que ça commence à bien faire, cette histoire. Vous allez consommer. Voilà, au moins 3 fois, c'est pas mal. Je pense qu'avec ça, on est sûr d'avoir des héritiers du côté d'Arthur. Hein? Elle va encore faire chier son monde, elle. Et non, c'est lui qui va pas bien. Mais mon petit, tu sais ce que tu fais? T'es grand, hein? Le petit est grand. Tu vas sur le popo et tu vas faire dodo. Voilà. Oh, qui c'est qui a cassé la maison? Oh, mon petit, tu peux venir réparer, stop. Est-ce que t'as fini tes devoirs, Gus? Non, mais il est trop mal à l'aise. Super. C'est génial! Et t'iras aux toilettes, et t'iras dormir. Voilà. Où en est-on, Arthur? On s'en fout. Arrête de te laver les mains. Tu les laveras après avoir abusé de ta femme, d'avoir violé dans tous les sens du terme. Mais bon, comme elle sera consentante, ce ne sera pas du viol. Elle est où, d'ailleurs? Où est-elle? Ah bah oui, elle est là. Dis, ma femme! Allez! Allons forniquer gaiement dans le lit. Eh, dépêchez-vous! Mais tu vas pas faire les 3 propositions à la suite, non? Ah, mais le violon! Sérieux! Ah, il me fatigue. Ça me fatigue. Oh, il neige! Il neige! Ma souris, elle veut. C'est mon jeu, je crois qu'il veut. Il neige! La première vraie neige! Ah, oh, oui, bah oui, on est en hiver ce coup-ci. T'es sérieux, putain, mais. Tu vas venir, espèce de grognasse? Oh là là, mais c'est pas vrai, mais j'en ai marre, mais qu'est-ce que ça peut bugger tout le temps comme ça? Quand on n'a pas les Sims dans notre foyer, c'est un vrai calvaire, hein, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, tu t'es pissé dessus? Non mais... Là, je vais péter un câble, hein, je crois. Ça commence à être très relou. Toi aussi, tu vas aux toilettes. C'est bien tillé. Et tu vas être couché après. Maman. Enfin, maman. Louise. Oh, je sais plus, moi. Ils se ressemblent tous dans cette famille. Tous ces roues-là. Tu peux être couché. Voilà, elle est déjà prévue aussi. C'est bon? Bon, allez-y, par contre. Hein? C'est pas comme si on avait pas attendu 6 ans déjà pour faire crac-crac, là. Allez-y. Oh! Ça y est.
Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Pardon. Ça se concrétise enfin. Arthur est en train de se dépuceler. Et ouais. Et oui, et oui. Bon, alors, il le fait quatre fois. Quatre en un. Quatre fois en une fois, hein. Vu que. Voilà. Oh, la chance. En plus, c'est directement les feux d'artifice. Mais c'est cool, tu vas la réveiller? Ah oui, hein, parce que vous allez remettre ça direct. Hein. Ah ouais, comme avec Arthur, avec Albert. Donc, tu vas l'épuiser, il est 2h40 du matin. Ouais, punaise, elle est mince! La vache, ce qu'elle est mince! Allez hop! Oui, bah, tu prendras le temps de dormir plus tard. Allez! Encore du zizi pampan. Du zizi pampan. L'expression de la mort. Et hop là! Sortez les bougies une deuxième fois. Tout se passe bien, tout se passe bien. Tout le monde est parti, hein, du coup, on est d'accord. Oh, regardez! Ça devient neigeux et tout là, ça devient blanc. Oh, c'est trop cool! C'est beau. La maison sous la neige. Ouais. Cet instant de paix vous a été offert par Shirley Industries. Les industries Shirley. Et encore! C'est l'anniversaire de Mireille. Oh, déjà? Ok. Et vous en remettez une troisième fois. Et puis je vous laisserai tranquille. Je pense que elle sera bien fertile, la petite, elle devrait être inséminée. Et ce sera bien comme ça. Troisième fois. Ok. Première séance de crac-crac. Bon, bah, écoutez, tant que tout se passe bien, bah, tout va bien. Tout le monde fait dodo. Il neige doucement, mais sûrement. Va falloir qu'on rentre toutes les affaires du coup, parce que là, on va pas le faire. Et le linge d'ailleurs, j'ai pas regardé mon linge. Mon linge, il a été pris? Ah oui, d'accord, il est là. Ah bah écoutez, hein, je sais pas qui s'en est occupé, je n'ai pas vu. Mais, en tout cas, c'est fait. Allez, bonne nuit les tourtereaux. Moi, je vais vous quitter là-dessus pour cet épisode, en espérant qu'il vous aura plu. Et bah, le prochain, je pense que Arthur partira également à la guerre, comme l'a fait son père et son frère. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Decades Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!